Je suis tellement content d'être là ce soir à laver. Depuis partout je s'en vais. On parle seulement d'une laver, laver, laver. J'ai venu en tout cas, j'ai vu laver. J'ai vu laver et je suis très fier d'être à laver. Parce que l'accueil à laver est très charmeux. Hein? La terre à la mer, comme ce que vous dites, c'est très bon. En tout cas, j'ai vu à la mer, on m'a dit qu'il y avait les belles filles à la mer et les belles femmes. Filles, c'est quand c'est encore petit petit là. Femmes, c'est quand c'est arrivé. On m'a dit qu'il y avait les belles femmes, j'ai vu. Franchement, si Blanc l'a même laissé ici, il ne peut pas dire que c'est faux. Parce que pour arriver à la baie, on dit, là où il y a l'or, il y a toujours des difficultés pour enlever l'or là. Et à la baie, il y a des belles femmes, il y a des trésors. Donc, monsieur le ministre, ce que je voulais dire encore là, hein? Bon, pour que la route vienne ici, là, on a qu'à faire plan, c'est un plan. C'est un plan, là. Pour que la route n'a qu'à arriver jusqu'à ici à la baie là. Comme il y a des belles femmes à la baie, et puis tout le monde aime ce qui est joli. Donc, pour que la route vienne ici, quelqu'un qui va prendre une femme à laver, il n'a qu'à vous donner un kilomètre. C'est son job. On ne demande pas autre chose. On dit si tu prends une femme à laver, fais un kilomètre de route. Il y a 400 kilomètres à faire. Si on a, on a donné 400 femmes avec d'autres, la route est venue. On n'aura plus de problème pour arriver ici à laver. Parce que laver est trop joli. Moi, mais quand j'ai entendu la belle, moi, parce que mais il y a des jolies maisons ici. Tout est joli. Tout est beau. Tout est propre. C'est la route là seulement qui est abandonnée. Mais aussi, si vous ne pouvez pas faire ça, vous n'avez qu'à prendre la belle là, reculer un peu doucement des voies là-bas pour avancer à connaître. Je crois que ça sera bon. Voilà. Franchement, j'ai voyagé. Là, on a fait une fête. C'est nous au Burkina là, tout le temps. On a fait fête la manifestation. C'est fête. Fête, fête, fête. Une manifestation. Quand la fête là, c'est grand là, les Français disent c'est une manifestation. On a fait ça, tonton. Je dis, quand est aujourd'hui, je ne même pas sapé même. Les jours là, j'ai tellement sapé jusqu'à là, regarde. C'est pour ça que je masque comme un boche. Je masque comme ça. Personne ne peut pas me toucher. Tellement j'ai sapé, non. Et même. Et même du sac que j'ai sapé. Moi, là, tellement j'ai sapé jusqu'à j'ai 38 mois comme ça. Tellement j'ai sapé même. Je vais dire tout le monde quand même vu. Je ne sais pas où je vais m'arrêter au pire, les gens me vus. Aujourd'hui, je n'ai même pas sapé. Ce jour-là, j'ai sapé jusqu'à. Je viens comme ça. Je suis sorti dehors. Je dis si je reste de la maison, personne ne va voir mon sapé là. Donc, je suis venu m'arrêter devant la porte. J'ai arrêté comme ça. Dans ça, là, tout le monde passe. Mmh, à Boukaré. J'ai sapé là. Je dis oh, ouais, je n'ai rien à faire. Il y en a un qui vient encore. Boukaré! Tu es devenu boisé, tu n'as rien vu encore. Attends un peu. Tu vas voir. Quand j'étais là, ici. Là. Non, le pauvre, même, franchement, ça c'est pour le projet d'un pauvre qui est là. Les boss, eux, ils n'ont pas l'argent. Mais quand tu es pauvre, tu n'as pas l'argent là. Tonton. C'est-à-dire que tu dis, le jour où j'ai gagné l'argent là. Regarde, c'est ton projet qui est là. Le jour où j'ai gagné l'argent. C'est pourquoi pauvre là, pour avoir l'argent, c'est dur. Il dit le jour où j'ai gagné l'argent, le quartier va connaître que j'ai l'argent. Oh, l'argent n'aime pas pour lui. Quand tu as l'argent là, faut serrer ton fesse. Il ne fait pas ça. Donc quand le pauvre a l'argent, il vient, il te connaît, il ne te connaît pas. Regarde, il jette l'argent sur toi. Pourquoi tu parles de lui? Oh, l'argent n'aime pas ça. L'argent, quand tu as ça là, oh, regarde, tu fais comme que je vais faire là. Monsieur le ministre, bon, monsieur le ministre, franchement, vous font beaucoup. Pour la jeunesse, mais vous êtes jeune aussi, ça je vous donne ça, c'est sans arrière-pensée. Je vous donne ça. Par rapport à ce que vous êtes très jeune et vous vous battez beaucoup pour la jeunesse, franchement, merci beaucoup, monsieur le ministre. Il faut garder ça, c'est moi qui te donne ça. Je te donne ça avec bon cœur. Je donne ça à la minute, il est comme ça. Oh, faut partir. Voilà. Il faut dépenser. C'est moi qui t'ai donné ça. Il t'a donné ça à la maison. Il n'est pas gardé même. Voilà. Voilà. Faut dépenser ça. Dépense tout. Chaque fois que tu as dépensé, il faut savoir que c'est mon transport qui t'a donné comme ça.
Service à quelqu'un, rend bien les services. Tu as vu tout à l'heure, j'ai donné mon laser à monsieur le ministre sans derrière. J'ai donné avec bon cœur. Mon cœur était content, c'est mon bouche qui a refusé. C'est mon bouche qui pleurait, sinon mon cœur était content. Vous avez j'ai donné ça à l'église sans derrière penser. Donc dans ça là, j'ai là comme ça, puis voilà un vieux, monsieur le ministre, il est vieux comme ça. Il est là comme ça, puis il vient comme ça. C'est comme ça, il marche, puis il vient devant moi comme ça. Et puis en mer là, il a un poulet comme ça. Il vient comme ça, avec un poulet là. Moi je pense qu'il va du bout qu'elle était sapée. Il vient avec un poulet, dit bonjour mon petit. Je dis bonjour le vieux. Il dit voilà mon petit, pardon, faut m'aider. Tu vas vendre du poulet là pour me donner. Hein? Sapé comme ça, là, je vais vendre du poulet. Il me dit pardon, faut m'aider, tu vas vendre du poulet là me donner. Je dis mais pourquoi je vends ça? Il dit ça fait 3 jours. Je vends poulet là, personne ne peut pas payer poulet là. Je dis pourquoi? Il dit ah, il vend poulet là. Un poulet, un coq. Et qui vend ça à 20 000 francs guinéens. Un coq à 20 000 francs guinéens. Normalement, un coq, un poulet qui se respecte. Un poulet normal, ça se vend, chez nous là-bas, on vend ça à 7 000 francs, voire même 12 000. Mais un poulet normal qui se respecte va jamais accepter qu'on lui vend à 20 000 francs guinéens. Jamais. Peut-être 50 000, voire même un peu plus. Mais 20 000 francs, même moi, même si c'était poulet, je refuse. C'est pourquoi il ne vient pas prendre. Donc, dans ça, il dit, mais pourquoi? Il dit, ouais, quand je vends ça, les gens pensent que j'ai volé. Mais regarde-toi, regarde comment tu es. À quel moment tu as couru de la poulet là pour attraper, si ce n'est pas que tu as volé? À quel moment? Et puis, ce n'est pas un petit poulet, c'est un corps, un garçon. Comment vous attraper ça? Il dit, oh, pardon, il faut m'aider, tu vas vendre ça. Si tu as vendu là-haut. Faut me donner ce que tu veux. C'est le Dieu,
lui-même qui a dit, si tu as vendu, il faut me donner ce que tu fais. Donc je peux ne pas faire, lui donner ce que je fais. T'as vu? Ça dépend de moi. Dès que j'ai pris le poulet dans la main du vieux, je saute. Parler français. Donc, je sortâme de la maison pour aller vendre le poulet. Je sors dehors, j'ai eu preneur. Quelqu'un est venu vers moi et il a acheté le poulet. Vous savez à combien? Il a payé le poulet avec moi en francs CFA. Ça fait 3500 francs CFA. Poulet, moi, au départ, il valait à 20 000 francs guinéens. Moi, j'ai vendu à 3000 francs CFA. Donc, le vieux, il a dit dans son bouche, il faut me donner ce que tu veux. J'ai enlevé dans les 3500 francs là, j'ai enlevé 1250 francs dedans, j'ai mis ça de côté, c'est pour le vieux. Et les 2250, j'ai mis ça derrière moi ici. C'est pour moi, le vieux, c'est pas. Je s'en vais. Et j'ai donné les 1250 là, je les ai mis à donner au vieux. Le vieux était tellement content. Le vieux était content jusqu'à. Dépasser. Les blancs disent quand tu es content de dépasser là, tu deviens pisse. C'est que vous dites, tu deviens comme ça. Le vieux était pisse-pesse-fesse. Il était content. Tellement le vieux est content là. Le vieux a enlevé dans les 1250 là. Il a enlevé 250 dedans encore. Et il me les a donné. Donc ça fait maintenant 2250 que j'ai ça dans mon poche. Lui, il a 1000 francs seulement. Le vieux ne sait pas que j'ai ça en poche. Le vieux est content. Il a commencé à me bénir. Quand le vieux content, il m'a commencé à me bénir. Il dit, mon fils, ce que tu m'as fait là, je vais prier Dieu tous les jours. Il va te faire la même chose. Tous les jours. T'as vu, toi-même, c'est pas toi. Tu dis, hé, hey, non. Quelle est la vie de Christ? Ce que j'ai fait là, tu vas demander à Dieu, je n'ai qu'à avoir la même chose tous les jours. Il dit, oui, mon fils, je vais prier Dieu tous les jours. Pour qu'il met les gens comme toi sur ton chemin, ils vont te faire la même chose tous les jours dans ton vie. Il dit, ah, 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 ah. Il dit, ce que tu viens de me faire là, que Dieu rembourse les fruits de ce que tu viens de me faire là à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes petits-arrière-enfants, jusqu'à la septième génération. Je dis, ah. T'as un poulet là. Il dit oui, t'as un poulet là. Je dis ah. Il dit mais c'est pas fini, je vais te bénir encore. Je dis non, le vieux, arrête. Tu me bénis plus encore. Il dit non, je dois te bénir. Je dis non, non, non. Le vieux, arrête de me bénir. Je veux plus. Il dit mais il y a quoi? Laisse-moi, je vais te bénir. Je dis je ne veux pas, c'est moi qui le sois, non. Il ne veut plus, c'est beaucoup. Le vieux vient continuer. Il y a 250 qui m'a donné. J'ai enlevé ça, je lui ai donné. Le vieux dit ah, pourquoi tu me donnes? Il veut continuer encore. Les 2250 qui étaient derrière moi, j'ai tout enlevé, j'ai lié de tout. Je me dis, ah, mais pourquoi? Je dis, oh, tu mérites, va. Après, il y a un poulet, tu as maudit toute mon famille. En plus, ce n'est pas bon poulet, c'est un poulet, un coq. Qu'est-ce qu'il vendait? En plus, c'est moi-même qui ai augmenté les prix. Tu as maudit mon famille à cause de ça. Qu'est-ce que tu viens de me faire là? C'est la carte de tomber. Si tes petits-enfants, tes arrière-arrière-enfants, si c'est moi-même là, c'est bon. Mais ceux qui n'ont rien vu d'un poulet, dans quoi tu vas le maudit d'os? Mais tout le monde a dit de rien, je ne sais pas. Il est parti. Après de quoi? Donc, pour moi, c'est pourquoi il dit quand tu veux rendre service à quelqu'un, il faut bien rendre. Je voulais rendre service au vieux. Tu vois comment c'est devenu sur moi?